Si vous regardez cette vidéo en ce moment, sachez qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Il y a une raison puissante pour laquelle ce message vous est parvenu. Dieu profite de ce moment pour parler directement à votre cœur. Quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un signalement anonyme a été fait concernant votre lieu de travail, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur votre routine et votre avenir. Préparez-vous, car ce qui s'en vient pourrait ébranler vos convictions et mettre votre foi à l'épreuve d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé devoir affronter. En écoutant ce message, rappelez-vous que rien dans la vie n'est aléatoire. Cet avis a un but unique et spécial. Dieu veut que vous sachiez que les défis qui vous attendent ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des opportunités divines pour vous de vous transformer. Il réveille en vous une force intérieure que vous ne saviez peut-être pas avoir. Les difficultés surgissent pour vous préparer, pas pour vous vaincre. La bataille à venir va bien au-delà de ce que vous voyez. C'est spirituel, et Dieu vous a choisi parce qu'il croit en la puissance de votre foi et en votre courage de gagner. Tapez « J'accepte l'appel » si vous sentez que ce message résonne en vous et que vous êtes prêt à embrasser le plan divin pour votre vie. Un rapport inattendu a mis en lumière des problèmes délicats dans votre environnement de travail. Cela peut paraître soudain et inexpliqué, mais faites attention, rien n'arrive par hasard. Il y a un objectif plus grand, comme si quelque chose d'invisible guidait vos pas pour voir ce qui était caché. Il y a des secrets tout autour de vous qui attendent d'être révélés. Dieu attire votre attention pour que vous preniez conscience des véritables intentions de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas un simple avertissement, mais un signe divin pour que vous soyez préparés. Quelque chose d'important est sur le point d'être révélé et vous devez y prêter attention. Tapez « Je suis attentif » si vous pensez que le moment est venu d'affronter l'inconnu avec confiance dans le plan que Dieu vous réserve. Avez-vous déjà remarqué des changements subtils dans le comportement des personnes autour de vous? Quelqu'un agit-il de manière étrange? Est-il trop amical ou essaie-t-il d'attirer votre attention d'une manière inhabituelle? Ces petits détails ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes de quelque chose de plus grand. Dieu active en vous le don de discerner ce qui est caché, vous permettant de voir au-delà des apparences. Ne vous y trompez pas, tout le monde autour de vous n'a pas de bonnes intentions. Certaines personnes peuvent profiter de cette situation pour dissimuler leurs propres actions ou même pour vous faire du mal. Mais ayez confiance. Dieu est avec vous, éclairant le chemin pour que vous compreniez les véritables motivations derrière chaque geste et chaque décision. Tapez « J'accepte la vérité » si vous êtes prêt à découvrir ce qui est caché et à affronter ce moment avec foi, courage et discernement divin. Vous ne regardez pas cela par hasard et vous n'êtes certainement pas un simple spectateur de cette histoire. Dieu vous a placé exactement là où vous êtes parce qu'il y a un objectif plus important en jeu. Maintenant, il vous appelle à vous lever avec courage, discernement et une foi qui ne vacille pas. Peut-être que l'instinct est de fuir, d'éviter la confrontation ou de se protéger de la confusion que cette situation peut engendrer. Mais Dieu a d'autres projets, il veut que vous avanciez. Vous avez été choisi pour être une inspiration, une lumière au milieu des ténèbres et de l'incertitude. Ce moment va bien au-delà de vous, car votre attitude aura un impact profond sur la vie de ceux qui vous entourent. Il est temps de vous lever, d'affronter cette situation avec fermeté, car tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous y a préparé. Tapez « J'avance dans la foi » si vous sentez que le moment est venu d'assumer ce rôle et de suivre le but que Dieu vous a fixé. Ce défi auquel vous faites face n'est pas seulement une épreuve ordinaire, c'est un véritable test de foi. Même si cette enquête peut paraître ardue, sachez qu'il ne s'agit que d'un outil utilisé par Dieu pour vous façonner et vous fortifier. Il réveille en vous une force que vous ne saviez même pas posséder. Peu importe à quel point les choses semblent s'effondrer, rappelez-vous, cette situation n'est pas venue vous détruire. Au contraire, c'est l'occasion pour vous de découvrir votre résilience et de voir tout le potentiel caché jusqu'à présent. Les défis que la vie nous lance servent à nous séparer entre ceux qui abandonnent et ceux qui persévèrent. Ceux qui gardent foi et font confiance au processus en sortiront plus forts et avec des leçons qui transformeront leur vie pour toujours. Tapez « Je fais confiance au plan » si vous êtes prêt à relever ce défi avec courage et foi en Dieu. Jusqu'à présent, vous avez surmonté beaucoup de choses, mais le moment le plus difficile est encore à venir. Il y a quelqu'un de très proche qui garde un secret qui pourrait changer le cours de cette histoire. Ne vous y trompez pas, cette enquête va bien au-delà de ce que l'on voit. Cela fait partie de quelque chose de plus grand, d'un plan qui peut déstabiliser votre vie si vous n'êtes pas vigilant.
Faites confiance à vos intuitions et remarquez les signes autour de vous. Dieu vous permet de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Tout le monde autour de vous n'est pas ce qu'il semble être. Peut-être qu'un proche agit par ressentiment ou par envie, cachant des secrets qui sont sur le point d'être révélés. Même si la vérité est inconfortable, il est essentiel pour vous de vous protéger et d'avancer. Tenez bon et ayez confiance. Dieu est avec vous, guidant chaque étape et mettant en lumière ce qui doit être révélé. Tapez « J'accepte la vérité » si vous vous sentez prêt à affronter tout ce qui se présente avec foi et détermination. Au milieu de cette tempête, accrochez-vous fermement à votre foi. Cette situation mettra à l'épreuve les intentions de votre entourage, mais ce sera aussi le moment où vous verrez à quel point vous êtes fort lorsque vous faites confiance à Dieu. Lorsque des doutes surgissent, n'oubliez pas de vous tourner vers la prière, car Dieu est votre refuge et le fondement qui ne peut être ébranlé. Il contrôle tout et ne vous laissera jamais seul. Il est maintenant temps de faire pleinement confiance au plan divin, en lui permettant de guider chacun de vos pas. La sagesse de Dieu est parfaite et il est à vos côtés, protégeant et ouvrant des chemins là où vous ne voyez que des difficultés. Même lorsque le chemin semble difficile, croyez qu'il a déjà préparé la victoire pour vous. Tapez « Dieu est mon guide » si vous croyez que sa force et sa protection sont tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien ce voyage. La prière n'est pas seulement une pratique ou une coutume. C'est l'outil le plus puissant dont vous disposez pour faire face à tout obstacle qui se présente à vous. Dans les moments difficiles, cela devient le pont qui vous relie au cœur de Dieu. Lorsque la situation semble trop accablante, prenez du recul et priez avec confiance. Demandez la sagesse pour voir au-delà du visible, le discernement pour prendre les bonnes décisions et le courage d'agir avec fermeté. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec un ami proche, en l'invitant à être avec vous à chaque étape du chemin. La prière aligne votre esprit avec la force divine, qui est bien plus grande que n'importe quelle adversité. Faites-en votre bouclier, votre forteresse et la source de toute l'énergie dont vous avez besoin pour gagner. Sous la protection de Dieu, rien ne peut prévaloir contre vous. Tapez « J'ai confiance dans le pouvoir de la prière » si vous êtes prêt à trouver force et protection en Dieu au cours de ce voyage. Ce à quoi vous faites face aujourd'hui n'est pas seulement une épreuve, c'est un appel à la transformation. Même si tout semble s'effondrer autour de vous, sachez que Dieu est à l'œuvre. Il supprime ce qui ne sert plus pour faire place à quelque chose de nouveau et de grand. La douleur que vous ressentez aujourd'hui a un but, vous façonner, renforcer votre foi et vous ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment. C'est le début d'un profond renouveau, un moment de croissance qui vous préparera à un avenir plein de sens et de lumière. Ayez confiance que ce processus, aussi difficile soit-il, vous mène à quelque chose de bien plus grand et de bien meilleur. Tapez « Je suis prêt à être renouvelé » si vous êtes prêt à accepter les changements que Dieu apporte dans votre vie. Dans ce voyage, le courage sera votre meilleur allié. L'inconnu peut faire peur, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu marche à vos côtés, illuminant chaque pas et vous fortifiant pour avancer. Lorsque vous faites confiance au plan divin, la peur perd son pouvoir. Il vous a déjà préparé le meilleur et il ne vous reste plus qu'à avancer en toute confiance. Ne laissez pas le doute ou l'insécurité vous arrêter, car le destin qui vous attend est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Avancez avec un cœur ferme, sachant que la présence de Dieu vous soutient à chaque instant. Tapez « Je suis sans crainte » si vous êtes prêt à avancer avec foi et force, en faisant pleinement confiance à la direction divine. Une fois la tempête passée et la vérité révélée, permettez-vous d'accepter la paix qui vient de Dieu. Il ne s'agit pas d'une paix ordinaire, mais d'une paix qui dépasse tout confort humain. C'est la certitude qu'il était avec vous dans chaque moment d'incertitude, qu'il ne vous a jamais abandonné. En regardant en arrière, vous verrez sa main guider chaque étape, soutenir chaque décision. Il est maintenant temps de prendre une profonde respiration, de ressentir la sérénité que lui seul peut offrir et d'être reconnaissant pour les soins et la force qui vous ont permis de surmonter. Utilisez cette paix comme base pour construire le prochain chapitre de votre vie, avec gratitude et un cœur renouvelé. Tapez « Merci, Seigneur » si vous ressentez cette paix dans votre cœur et êtes prêt à avancer avec espoir et gratitude. Au cours de ce voyage, gardez les yeux ouverts et le cœur attentif, car tout le monde autour de vous n'est pas ce qu'il semble être. Il y a ceux qui préfèrent se cacher derrière de faux sourires et des mots doux, mais dont les intentions sont guidées par des intérêts cachés. C'est peut-être difficile à croire,
mais certains portent des masques et cachent des secrets que vous n'avez pas encore compris. Cette enquête sera l'étape qui séparera la vérité de l'illusion, révélant qui est vraiment de votre côté et qui s'est déguisé avec des intentions douteuses. Dieu vous appelle à faire confiance à l'intuition qu'il a placée en vous, vous guidant pour voir au-delà des apparences et trouver la véritable essence des gens. C'est le moment où tout ce qui a été caché sera mis en lumière. Tapez, révèle la vérité, Seigneur, si tu te sens prêt à découvrir qui marche vraiment à tes côtés et qui fait seulement semblant d'être un allié. Sachez que vous n'êtes pas sans protection dans cette bataille. Dieu vous a donné une armure invisible mais puissante, faite de votre foi inébranlable. Cette armure est constituée de sagesse pour discerner, de force pour vaincre et de courage pour agir sans crainte. À chaque pas que vous faites, ayez confiance que cette protection est autour de vous, vous protégeant de toute tentative de vous déstabiliser. Peu importe qui ou quoi s'élève contre vous, rien ne pourra prévaloir tant que vous serez aligné avec Dieu. Ceux qui complotent contre vous verront leur plan échouer, car la protection divine est incassable et vous entoure comme un bouclier impénétrable. Tapez, Dieu est mon refuge, si vous êtes prêt à relever n'importe quel défi avec la force et la sécurité que seule la protection divine peut offrir. Même si tout semble être en désordre, rappelez-vous, Dieu prépare des miracles pour votre vie. Dans les moments de plus grand chaos, il agit de manière inattendue, surprenant même vos plus grandes peurs. Les portes qui semblaient verrouillées commenceront à s'ouvrir, les réponses que vous pensiez impossibles arriveront au bon moment, et des bénédictions inimaginables viendront lorsque vous en aurez le plus besoin. Ces miracles ne surviennent pas par hasard. Chacun d'eux est un signe de soin divin, montrant que Dieu orchestre chaque détail de votre voyage. Même au milieu de la tempête, ayez confiance que la main de Dieu agit en votre faveur. Tapez « J'ai confiance dans les miracles de Dieu » si vous êtes prêt à recevoir et à être témoin des bénédictions divines qui transforment votre vie. Tapez « Je suis ouvert aux miracles » si vous croyez que même au milieu de la confusion et du chaos, Dieu a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation et d'apporter des bénédictions inattendues qui peuvent complètement changer votre vie. Ce moment n'est pas seulement un défi extérieur, mais un test intense de votre force intérieure et de vos valeurs les plus profondes. La grande question est, serez-vous capable de maintenir votre loyauté et votre intégrité, même entouré de manipulations, de mensonges et de tentations qui tentent de vous empêcher de suivre le bon chemin? Dieu a placé cette situation devant vous non seulement pour révéler les vérités cachées autour de vous, mais aussi pour éveiller et renforcer la vérité qui vit en vous. Votre détermination à rester fidèle à vos principes sera comme un phare dans l'obscurité, vous guidant et inspirant ceux qui sont à vos côtés. Ne laissez pas la peur ou la pression vous empêcher de faire ce que vous croyez être juste. Dieu est à vos côtés, soutenant votre courage et illuminant chaque étape de votre chemin. Tapez « Je reste fidèle » si vous êtes déterminé à maintenir votre intégrité quels que soient les défis qui se présentent à vous. Maintenant, prenez un moment et imaginez qui vous devenez à travers tout cela. Chaque obstacle rencontré, chaque bataille surmontée fait de vous quelqu'un de plus fort, de plus résilient et profondément connecté à Dieu. Visualisez l'avenir qui vous attend, dans lequel vous regardez en arrière et vous sentez fier d'avoir fait confiance à son plan. Vous verrez que les difficultés que vous avez rencontrées ont été essentielles à la construction de la personne que vous êtes aujourd'hui. Chaque défi sera un rappel de l'attention de Dieu et de votre détermination à ne jamais abandonner. Ce voyage vous prépare à vivre une vie pleine de sens et remplie de bénédictions bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Tapez « Je fais confiance au plan de Dieu » si vous croyez qu'il façonne pour vous un avenir brillant, plein d'espoir et significatif. Il est maintenant temps d'agir. Ce sentiment que quelque chose change autour de vous n'est pas une coïncidence. Les transformations que vous ressentez sont plus proches que jamais, signe clair que le moment est venu d'avancer avec courage. Dieu déplace les pièces en votre faveur, et cette enquête ne se limite pas à des révélations. Cela met en lumière de nouvelles possibilités et de nouveaux chemins qui ne vous auraient peut-être jamais traversé l'esprit. C'est le moment de prendre position, de lutter pour ce qui est juste et d'adhérer au dessein que Dieu a écrit pour vous. N'attendez pas le scénario parfait. Construisez-le avec vos actions et votre foi. N'oubliez pas, vos attitudes ont le pouvoir d'inspirer les autres à s'élever avec la même force et la même détermination. Tapez « J'embrasse le changement » si vous vous sentez prêt à agir et à prendre des mesures audacieuses vers le grand plan que Dieu a pour votre vie. Si vous entendez ces mots maintenant,
comprenez que ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous parle directement, vous indiquant clairement qu'il existe un but spécial réservé à votre vie. Il vous a choisi pour ce moment, pour surmonter ces défis et grandir parmi eux. Rien de ce qui arrive n'est dû au hasard, tout fait partie d'un plan plus vaste. Faites confiance au voyage et restez ferme, car chaque pas que vous faites est guidé par sa main. Dieu vous a déjà préparé à gagner, et aucun détail n'échappe à son contrôle. C'est le moment de faire un acte de foi, de croire en ce qu'il fait et d'avancer avec confiance sur le chemin qui a été préparé pour vous. Tapez « Je suis prêt à vivre mon objectif » si vous acceptez cet appel et avez confiance que Dieu contrôle totalement votre voyage. Ce message n'est pas seulement un avertissement ou un défi. C'est un puissant rappel du rôle que vous jouez dans l'histoire que Dieu est en train d'écrire. Il profite de ce moment non seulement pour exposer des vérités, mais aussi pour façonner sa foi et orienter sa vie vers quelque chose de bien plus grand. Aussi incertain que puisse paraître l'avenir, sachez que vous avez été choisi pour traverser cette phase. Marchez avec confiance, croyant que Dieu est à vos côtés, transformant chaque difficulté en opportunité et chaque bataille en victoire. Puisse cette expérience être le début d'un chapitre renouvelé, rempli de buts, d'espoir et de la connaissance que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Tapez « J'ai confiance dans le plan de Dieu » si vous croyez qu'il transforme chaque défi en une étape constante vers un avenir brillant et significatif. Tapez « J'ai confiance dans le dessein de Dieu » si vous êtes prêt à adopter le plan extraordinaire qu'il a soigneusement préparé pour votre vie. Pendant que vous affrontez cette tempête, ne perdez jamais de vue une vérité essentielle. Dieu est responsable de tout. Il ne vous quitte jamais, pas même un instant, et ses mains tiennent toujours les vôtres, vous guidant avec amour et sécurité. Chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites est dirigé par la sagesse divine. Même lorsque tout semble incertain et confus, rappelez-vous que Dieu travaille dans les coulisses, déplaçant des pièces que vous ne pouvez pas encore voir. Ce moment, aussi difficile soit-il, fait partie d'une transformation que lui seul peut accomplir. Ayez confiance, restez ferme et gardez l'espoir vivant dans votre cœur, car Dieu est en train de créer quelque chose de grand qui changera votre vie de manière surprenante. Tapez « J'ai de l'espoir en Dieu » si vous croyez qu'il dirige chaque détail et transforme votre histoire en quelque chose de plus grand et de meilleur. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre marche, rappelez-vous que cette tempête n'est pas seulement une période difficile, mais le pont vers quelque chose de bien plus grand. Ce qui semblait hors de portée est en train d'être réorganisé par les mains prudentes de Dieu, ouvrant la voie à un objectif puissant. Même lorsque les vents sont forts et que le chemin semble solitaire, sachez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Dieu a été avec vous à chaque instant, vous soutenant, vous fortifiant et façonnant votre vie pour refléter sa gloire d'une manière unique et puissante. Tapez « J'ai confiance en Dieu » si vous croyez que chaque pas que vous faites est guidé par lui avec amour et sagesse. Il est maintenant temps de relever la tête et de regarder vers l'avenir avec une foi renouvelée et ferme. Dieu ne révèle pas seulement les vérités cachées autour de vous, mais il vous libère également de tout ce qui vous retenait intérieurement. Les peurs, les insécurités et les doutes qui vous limitaient. Ce qui semblait autrefois impossible commence maintenant à devenir réalité, car avec Dieu, les limites n'existent tout simplement pas. C'est le moment de faire confiance à la force divine qu'il a implantée en vous et d'avancer avec audace. Tapez « Je suis prêt à recommencer » si vous vous sentez prêt à embrasser la nouvelle phase pleine d'opportunités que Dieu ouvre dans votre vie. Croyez que tout cela fait partie d'un plan plus vaste et parfait. Chaque larme qui coule, chaque doute qui vous hante et chaque bataille rencontrée se transforme en quelque chose de beau et de significatif. Dieu travaille silencieusement mais intensément, orchestrant chaque détail de votre histoire. Et quand le moment sera venu, vous verrez clairement qu'il ne vous a jamais abandonné. Cela façonne votre caractère, renforce votre foi et ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence auparavant. Ce qui semblait être un point final est en fait le début de quelque chose d'extraordinaire et plein de sens. Tapez « J'ai confiance dans le plan de Dieu » si vous croyez qu'il transforme chaque défi en un nouveau départ plein d'espoir et de bénédiction pour votre vie. Tapez « J'accepte le plan de Dieu » si vous croyez qu'il conçoit soigneusement quelque chose d'unique et d'extraordinaire pour votre vie. C'est le moment de regarder en arrière avec gratitude et d'avancer avec un espoir renouvelé. Chaque douleur que vous avez ressentie, chaque obstacle que vous avez rencontré étaient des outils que Dieu a utilisés pour vous façonner et vous fortifier.
Tout cela faisait partie d'un objectif plus vaste, qui semble peut-être encore lointain aujourd'hui, mais qui se révèle peu à peu. Vous avez été choisi, travaillé et préparé pour quelque chose qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Ce n'est pas la fin de votre histoire, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre, plein de sens, de foi et de nouvelles possibilités. Ce qui s'est passé vous a amené ici, et ce qui va arriver est tout simplement extraordinaire. Tapez « Je suis prêt à vivre le dessein de Dieu » si vous sentez qu'il vous conduit vers un avenir plus grand et plus grandiose. Alors que vous entrez dans cette nouvelle phase, rappelez-vous que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il vous offre une paix qui dépasse toute compréhension et une force suffisante pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Son amour pour vous ne connaît pas de limites et ses promesses sont aussi éternelles que vraies. Il est temps de se relever avec courage, d'accepter les changements qui se présentent et d'avancer avec un cœur plein d'espoir. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, infiniment plus aimé que vous ne pouvez le comprendre, et vous êtes désormais plus préparé que jamais à affronter tout ce qui vous attend. Tapez « Merci, Dieu, pour mon avenir » si vous êtes prêt à accepter avec confiance et gratitude le merveilleux plan qu'il vous réserve.